Dans la vie de tous les jours, nous parlons de poids, mais le terme scientifique exact est la masse. Pour mesurer la masse, nous pouvons utiliser différents outils, comme la balance de Robert le pèse-personne ou encore une balance de cuisine. L'unité principale de mesure des masses est le gramme. Il existe des unités plus petites. Lorsque l'on partage un gramme en dix par égal, on obtient des décigrammes. Lorsqu'on partage un gramme en 100 parts égales, nous obtenons des centigrammes. Et lorsque l'on partage un gramme en 1000 parts égales, nous obtenons des milligrammes. Il existe également des unités plus grandes que le gramme. Dix fois plus grand que le gramme, nous avons les décagrammes. Cent fois plus grand que le gramme, les hectogrammes. Mille fois plus grand que les grammes, les kilogrammes. Il n'y a pas de nom pour les dizaines de kilogrammes, mais 100 000 fois plus grand que le gramme, nous avons le quintal, et 1 million de fois plus grand que le gramme, nous avons la tonne. Pour convertir des mesures de masse dans d'autres unités, nous allons utiliser le tableau de conversion. Prenons par exemple 16 décigrammes que je souhaite convertir en milligrammes. Pour cela, je vais placer 16 décigrammes dans le tableau de conversion. Le chiffre des unités... Et le 6, mon unité de mesure est le décigramme. Je vais donc mettre 6 dans la colonne des décigrammes. Puis je me décale d'un chiffre vers la gauche. Le 1 sera dans la colonne des grammes. Je souhaite transformer en milligrammes. Je trace donc ma flèche jusqu'au milligramme. La colonne des centigrammes ne peut pas rester vide. Je mets un 0. La colonne des milligrammes ne peut pas rester vide. Je mets un autre 0. 16 décigrammes est donc égal à 1600 mg. Deuxième exemple, j'ai 430 hectogrammes que je souhaite convertir en kilogrammes. Pour cela, je vais placer mon nombre dans le tableau de conversion. Le chiffre des unités est le 0 et mon unité de mesure est l'hectogramme. Je place donc le 0 dans la colonne des hectogrammes. Puis je me décale d'un chiffre vers la gauche, le 3 ira dans les kilogrammes et encore un chiffre vers la gauche, le 4 ira dans la colonne des dizaines de kilogrammes. Je souhaite convertir en kilogrammes. Je vais donc tracer ma flèche jusqu'à la colonne des kilogrammes. À droite de ma flèche, j'ai un zéro et rien d'autre. Je vais donc pouvoir le supprimer. 430 hectogrammes est égal à 43 kilogrammes. Troisième exemple, j'ai 31 quintales que je souhaite convertir en tonnes. Je place 31 quintales dans mon tableau de conversion. Le chiffre des unités est le 1. Mon unité de mesure est le quintal. Je mets donc le 1 dans la colonne des quintals. Je me décale d'un chiffre vers la gauche. Le 3 va dans la colonne des tonnes. Je souhaite convertir en tonnes. Je trace ma flèche jusqu'à la colonne des tonnes. À droite de ma flèche, j'ai un 1. Je ne peux pas le supprimer. Je vais donc mettre une virgule à l'emplacement de ma flèche dans la colonne des tonnes. 31 quintales est donc égal à 3,1 tonnes. Dernier exemple, j'ai 15 grammes que je souhaite convertir en kilogrammes. Je place mon nombre dans le tableau de conversion. Le chiffre des unités, le 5, mon unité de mesure et les grammes, je place le 5 dans la colonne des grammes. Je me décale d'un chiffre vers la gauche, le 1 va dans la colonne des décagrammes. Je souhaite obtenir des kilogrammes, je vais donc tracer une flèche jusqu'au kilogramme. Il n'y a rien dans ma colonne des kilogrammes, je vais donc mettre un zéro. À droite de ma flèche, je vais avoir 15 grammes. Je ne peux donc pas oublier ce qu'il y a à droite. Je vais donc mettre une virgule dans ma colonne des kilogrammes. Et la colonne des hectogrammes ne pouvant pas rester vide, je vais mettre un autre zéro. 15 grammes est donc égal à 0,015 kilogrammes. Attention, si je souhaite faire un calcul ou une comparaison avec des mesures de masse, je dois tout mettre dans la même unité. Pour cela, je peux m'aider du tableau et même faire certains calculs comme l'addition, la soustraction ou faire les comparaisons directement avec le tableau.